venir là, c'est le moment pour nous présenter docteur Duten Joseph, et qui vraiment bon Dieu utilise pour te faire travailler ça. Et docteur Duten, au cas pas quoi ça, mais peut-être bon Dieu a montré le travail qu'il était confié pour faire pendant le week-end ça. Nous t'apprêmes passé parce que Marie-Lou, c'est lui-même qui va le présenter docteur Duten, parce qu'il connaît bien yo sorti non seul l'église Bolos d'Haïti, et la parole, la fonte parole de lui tout de suite, et puis c'est lui même qui a présenté lui. Applaudis s'il vous plaît, applaudis. Sauver la paix, bon Dieu, avec vous. Si nous dans le monde est converti, et puis pasteur Duten avec madame Lila après-midi, c'est un grand machine d'ap camper la monde qui t'a venu là pour venir yo, parce que yo réellement célèbre dans le Seigneur. Yo évangélisé toute la nation haïtienne et instruit toute la nation haïtienne. Et m'ga l'expliquer. Même te gen 10 ans, 11 ans comme ça, m'étais toujours maman chaque soir prend radio, li mettel sous table chaque dimanche soir pour l'tendre votre famille et la nôtre qui t'a instruit tout Haïti. Imaginons jusqu'au côté nous y en port salut et n'a t'endé yo qu'a instruit nous. Et enseignement maman te kon joine yo, li a lancé un groupe d'âmes l'église. Nous avons imaginé nous qui travail que nous avons fait. Lorsque j'ai 13 ans, papa me dit que je vais mettre dans le collège Maranatha, je suis content. Je dis, oh, je vais dans l'école pasteur Claude Noël. Je vais aller voir pasteur Claude Noël. Tellement nous sommes contents. Et là, nous sommes en chair et en os. Nous avons bon Dieu louange pour nous. Nous avons été là comme deux simples personnes. C'est Duten, c'est infirmière liée. Et nous songeons un jour, nous allons monter maintenant pour aller à l'école. Et nous voyons, pasteur Duten qui déposait madame li, qui prend la clinique là, pendant qu'elle va continuer pour aller mener des petits messieurs à l'école. Oh, nous comptons. Bah, yo, on nous comptons. Célébrité, pas nous. Yo, son honneur, son privilège chrétien que nous gagnons pour nous tendre enseignement en bas bouche missionnaire, ça y est. Que bon Dieu choisit et qui l'a gagné. Son bel bagaille. Leur l'a gagné au lendemain, bon Dieu, pour bon Dieu utiliser. Et bon Dieu utiliser pour instruire et enseigner la nation haïtienne. Dans tout recoin en Haïti, dans les montagnes les plus reculées en Haïti, tendez enseignement dans la bouche. On applaudit Saint-Esprit. Pendant que nous apprécions, pasteur Duten, cap approcher pour porter message parole bon Dieu. Non, excusez, juste avant nous gagner pasteur Olian qui va le prier pour nous. Sentiment que me ressenti kounia, m'te ressenti une fois là nous t'ai allé côté pasteur Olian et pasteur Olian t'ai choisi un paquet de belles chants Noël qu'il t'a chanté et puis m'te retrouvé dans dans le collège Maranatha. Jeunes, enjoy jeunesse nous dans le Seigneur, attendez. Nous ne connaissons pas grand rien dans le Seigneur, c'est deux yo qui ont des bagages. Quel bon bagage dans le Seigneur, tout le monde. Avec vous, pasteur Olian Saint-Jacques. Merci. Nous avons invité l'Assemblée à camper pour nous prier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Seigneur, dans l'omniscience où seulement voulait que l'homme existait, et où il créait l'homme à ton image, ça veut dire qu'on est de fond en comble. Nous comptons après-midi, nous sommes capables de réunir ensemble pour nous réjouir, nous chanter, danser dans le Seigneur. Et spécialement pour nous tendre des paroles. Eh bien, cet homme, ce serviteur de Dieu, pasteur Duten, qui a une responsabilité pour délivrer le message, ça,
n'a demandé au bali message là selon volonté ou pour glorifier nous et puis pour édification de l'église. C'est prier nous devons avec pardon péché nous au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Merci pour cela. Merci pasteur Saint-Jacques. Moi, je remercie pasteur Dieudonné pour si belle introduction. Et moi, content à soyez que moi, entouré de yon collège de pasteurs, d'évêques, d'évangélistes. Et vous connaissez, c'est audience qui est plus difficile pour satisfaire leur prêcher. Ou qu'à prêcher avec tout fidèle, ou satisfait, ou édifié. Mais là, il y a évêque ou un pasteur. Merci, merci beaucoup. Là, il y a toute qualité célébrité, ça y est là. Il est difficile, tâche ou à venir plus difficile encore. Eh bien, est-ce qu'on est pour qui ça? Il mettait une chair devant prédicateur, évangéliste, pasteur, et à prêcher. Qui est-ce qu'on est pour qui ça? C'est pas pour ne pas tomber, non? Pour le, puis l'a tremblé. Ouais, les gens n'ont pas tremblé pour mon pas, ouais. Là, quand on est devant moi, ça y est, j'ai mon tremblé. Nous avons un privilège pour nous passer un bon week-end pour ici, à Sœur Duten et moi-même. Avant de Sœur Duten, pour le fond, le petit levé, c'est compagne que bon Dieu m'a moi depuis 52 ans. Oui. Et. Le 8 avril prochain, on a 53 ans de mariage. Et puis, nous n'avons pas un pile de temps qui sépare, non, plus grand passé, mais pas tellement. Donc, on met un petit genre comme ça, il semble un petit monde qui a 8 ans seulement. Mais nous mangeons contre celle, nous, et nous avons un pile de récolte maïs, récolte café qui passait sous tête, nous, on dit bon Dieu merci pour ça. Et nous sommes contents que nous sommes en Floride et c'est là que nous avons passé journée selon le plan que bon Dieu fait pour nous. Et c'est là que nous prenons retraite, non, mais retraite n'a pas commencé, non. Non pas pastorique, disons encore, mais retraite n'a pas commencé. Parce que nous travaillons. Et nous travaillons jusqu'à ce que le Seigneur dit non, ok, c'est fini. Je ne dis pas que j'en suis content à soi à tout, parce que. Nous rencontrons un monde, c'est Fomi Madame Mouin, qui sortit même côté avec lui, et on connaît l'autre. Cousin, c'est cousin Madame Mouin, donc c'est technicien bien-aimé, Ruben bien-aimé. Et nous sommes contents là parce que c'est à travers le ministère, li, nous sommes capables de communiquer avec un pile monde que nous n'avons pas même espéré. En phase que pasteur Edouard, pasteur Louis Saint et leurs collaborateurs ont voulu mettre ce week-end ça, c'est ils ont accent sur l'évangélisation. Et évangélisation ou bien mission. Concept de mission ou d'évangélisation, nous jouons ça à travers tous les quatre évangiles, c'est-à-dire les quatre récits de l'évangile de Jésus-Christ, Matthieu, Marc, Luc et Jean, et aussi dans le livre des actes des apôtres. Donc l'idée de mission ou d'évangélisation, c'est-à-dire le partage de l'évangile avec monde qui pas connaît l'évangile, monde qui pas connaît Jésus-Christ, la présentation du plan du salut à ceux qui pas encore fait de nouveau dans la famille de Dieu. C'est un concept qui traverse la Bible d'un bout à l'autre. Parce que bon Dieu gagne un plan rédempteur, global. Plan bon Dieu, c'est pour tout le monde parvenu à la connaissance de la vérité en acceptant Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Il y a un grand théologien du nom de A.J. Kostenberger. Kostenberger, en parlant de l'évangile selon Saint-Marc,
lui parler de l'œuvre d'évangélisation, lui commencer avec Jean-Baptiste, qui était venu comme le précurseur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui était prêché la repentance et le pardon des péchés à tout le monde qui était venu joindre. Il dit dans l'évangile selon Saint-Luc, bon Dieu mettait saut sur l'évangélisation aussi, parce que Christ lui fait lui en pile souci pour le monde qui pas connaît bon Dieu comme Papa et Jésus-Christ comme Sauveur. Il parlait des paraboles que Jésus-Christ lui-même lui baille pour voir qui j'en lis important, l'un homme perdu de Yoa, l'important pour nous faire tout ça qui est possible par la grâce de Dieu pour nous chercher Yoa. Il parlait, n'est-ce pas, de la drachme perdue, de la brebis perdue et du fils prodigue. Et quant à l'évangile selon Saint Jean, il dit au cœur de l'enseignement missionnaire de Jean se trouve Jésus lui-même. Et c'est le plus grand de tous les missionnaires, le plus grand de tous les évangélistes du monde, comme nous t'avons fait remarquer hier soir. Alors, à soir, frères et sœurs, amis qui écoutent nous sur les ondes de la radio et monde qui va ouvrir nous dans Internet via l'Évangile TV, eh bien, nous va dire où gagner quatre bagay spécial que nous avons fait ressortir dans le texte que pasteur Edouard et ses collaborateurs ont été choisis pour le week-end. Et le texte, c'est un texte dont je viens dans Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28, et qui te lit versets 19 à 20 seulement pour nous, qui sont les deux derniers versets de ce livre. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il est vrai que nous avons fait remarquer dans le texte ça, que selon la langue originale, là, le grec, ce n'est pas l'ode qui commençait comme ça, mais c'est une déclaration qui baille tout le monde possibilité pour être capable de faire évangélisation, pour être capable d'accomplir mission, pour partager l'évangile. C'est en allant tout côté au passé, c'est pour nous faire disciples pour le Seigneur Jésus. Et nous pas capable de faire disciples pour un monde qui n'a jamais entendu l'évangile et qui n'a pas accepté l'évangile là. Le premier pas à réaliser pour devenir disciple de Jésus-Christ, il faut être conscient de son état pécheur devant Dieu, de son état spirituel devant Dieu, état de perdition, séparé de Dieu, voué à l'échec. Et à partir de ce moment, lorsque le Saint-Esprit convainc nous de notre besoin spirituel, nous accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel, nous, donc c'est le premier pas pour devenir disciple de Jésus-Christ. Et puis, non, disciple à Kouniela, faut que nous prenions l'enseignement de la parole de Dieu. Faut que nous obéissions à la parole de Dieu. Faut que nous marchions dans la tradition, l'église évangélique, côté nous-mêmes, nous persévérions pour nous grandir, pour nous devenir disciples de Jésus-Christ. Et le disciple, c'est l'élève qui doit imiter son maître. Même Jean-Jésus-Christ, c'était un missionnaire qui était venu pour chercher les âmes perdues. Responsabilité, mission, l'Église, c'est de chercher d'abord des âmes perdues, ensuite pour former, préparer, pour qu'ils soient devenus de véritables disciples de Jésus-Christ. Premièrement, si nous sommes capables de considérer la mission ou l'évangélisation comme un ordre biblique et un ordre divin, on dit d'abord, c'est un ordre formel, parce que l'y émaner de celui dont le pouvoir est illimité. Notre Seigneur Jésus-Christ, dans ce texte-là, lui dit, tout pouvoir m'a été donné, dans verset 18-là, dans le ciel et sur la terre. Ensuite, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Sinon, Matthieu, en face là, c'est pas sous aller, mais dans Luc, dans Marc et dans Jean, et ils ont insinué quand même
que gagne un message de la part de Jésus-Christ aux disciples pour aller partager l'évangile, le message du salut à tout le monde. Donc, c'est un ordre qui est formel, parce que c'est le monde qui a le droit qui passe l'au-delà. C'est Jésus-Christ. Deuxième vérité, ça c'est une mission universelle. Parce qu'il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Message de l'évangile, là, ce n'est pas pour un petit groupe seulement lié. Ce n'est pas pour une nation seulement lié. Ce n'est pas pour un peuple seulement lié. Il a commencé à Jérusalem il y a de cela 20 siècles. Eh bien, il a commencé à Jérusalem, il est passé dans la Judée, il a traversé la Samarie, et puis il est tombé jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'à ce que, n'est-ce pas, en Europe, ils ont établi des églises depuis le 1er siècle. Donc c'est pour toute nation. Pas de monde que bon Dieu n'a pas inclus dans le programme. Ni. Blanc, noir, jaune, riche, pauvre, savant et monde qui simple. Tout le monde sait, il y a un programme, mon Dieu. Mon Dieu a un plan de salut pour tous les hommes et toutes les femmes de la terre. Donc, c'est une mission universelle. Parce que moi, toute nation, moi, tout peuple, là, je joins à plusieurs reprises dans tout texte qui a un rapport avec la mission de l'Église de Jésus-Christ. Et c'est ça, Matthieu te fait nous comprendre. L'heure, il te dit, faites de toutes les nations des disciples. Marc dit, allez par tout le monde et prêchez l'évangile à toute la création. Donc, pas de monde qui est capable de dire, oh, moi-même, bon Dieu, pas inclus dans le programme. Bon Dieu, inclut tout le monde dans le programme. Parce que Jean 3, 16, c'est pour tout le monde. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse au point, mais qu'il ait la vie éternelle. Troisièmement, non seulement l'ordre de faire l'évangélisation, c'est un ordre formel, non seulement c'est un ordre universel, mais c'est une mission spécifique aussi. Parce que regardez qui ça lui dit. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il va dire, allez, agayez parole là comme ça. Non, non, une méthode à suivre. Son méthode spécifique, baptisez vous. Et jusqu'où n'y a là, même monde qui parle dans l'église baptiste, yo pratiquer le baptême par immersion ou par effusion, aspersion, n'importe qui vous fait là, mais yo pratiquer le baptême. Parce que c'est un témoignage de notre appartenance à Dieu, un témoignage de notre transformation spirituelle, un témoignage qui fait comprendre que nous avons embrassé l'évangile de Jésus-Christ. Jésus-Christ est baptisé. Nous-mêmes tous, nous capables de baptiser pour nous suivre Jésus-Christ. Et puis, au nom de qui il faudrait baptiser? Les baptisants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, le monde vient avec toute qualité de dénomination pour faire comprendre que l'on a baptisé, eh bien, c'est pour baptiser au nom de Dieu et non de Jésus-Christ. Ou bien au nom de Jésus-Christ et bon Dieu par la donne. Mais Jésus-Christ dit, c'est toute la Trinité, oui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, c'est très spécifique. Et quatrième et dernièrement, c'est que non seulement c'est un ordre, une mission formelle, une mission universelle, aller par tout le monde. Troisièmement, une mission spécifique, il faut baptiser et enseigner. Enfin, c'est une mission dont le succès est garanti par la présence même de Dieu. Oui, mission l'Église là, elle est garantie. Son succès lié quand même, il n'est pas fait échec. Pour qui ça? C'est à cause de la présence de Dieu. Dans verset 21, il dit, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Frères et sœurs de Christian Outreach Ministry de Ruskin, Floride, pasteur, évêque, évangéliste, ouvrier du Seigneur, ici présent et à l'écoute,
c'est que bon Dieu par la guerre non pour nous faire travailler dans le monde là pour tout seul. Non. Lui promet que l'a accompagné nous et l'a accompagné nous jusqu'au bout. Et c'est ça qui garantit succès. Congrégation qui ouvre officiellement Borisite là à Soya. Seule condition pour lui faire progrès, pour lui développer, pour un homme converti, pour chrétien prendre racine dans l'évangile, pour préparer des générations à venir, seule garantie les gagnants, c'est la garantie de la présence de Dieu. N'importe travail nous entreprendre au nom de Dieu, au nom de l'Église de Jésus-Christ, faut que nous assurions que bon Dieu mettait solide sous projet. Et à partir du moment que bon Dieu mettait sol sous projet, nous sommes capables de croire et de conviction que la bien garantie. C'était Saint Augustin, un ancien leader de l'Église primitive, qui dit, Seigneur, tu nous as créés pour toi-même et nos cœurs sont agités jusqu'à ce qu'ils se reposent en toi. C'est seulement bon Dieu qui est capable d'apaiser toute agitation qui gagne dans le cœur l'homme, je dis. Et c'était Tertullien qui te dit, un grand professeur de rhétorique des temps anciens de l'Église de Jésus-Christ, Tertullien dit, l'heure nous est rencontrés avec Jésus-Christ, nous assurons de la présence de Dieu dans notre vie. Nous n'avons pas besoin de rien encore dans le monde, non. Parce que Jésus-Christ, il satisfait tout ça, nous avons besoin. Tout vrai besoin, non. Jésus-Christ a satisfait. Je veux dire, il y a un peu de monde qui a cherché satisfaction dans le plaisir. Il y a un peu de monde qui a cherché satisfaction dans l'éducation. Il y a un peu de monde qui a cherché satisfaction dans le fumé. Il y a un monde qui a cherché satisfaction dans le tafia, dans le bois. Il y a un monde qui a cherché satisfaction dans toute qualité de l'autre bagaille, dans l'argent, dans le pouvoir, dans la politique. Vraie satisfaction, frères et sœurs, c'est Jésus-Christ qui baille. Et nous-mêmes, l'Église de Jésus-Christ, nous sommes les dépositaires des grâces de Dieu. Grâce pour Dieu, c'est dans l'Église dont je viens de ça, à travers l'Église dont je viens de ça. Parce que ça, c'est le corps même de notre Seigneur Jésus-Christ qui est représenté à travers des frères et des sœurs, à travers des hommes et des femmes, à travers des riches et des moins riches, à travers des savants et des non-savants. Tout le monde qui emboîtait le pas à notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, il a assuré de la présence de Dieu par le Saint-Esprit. Alors, frères et sœurs de cette nouvelle congrégation, message-là, bon Dieu, voyez le baou depuis vendredi soir, c'est que chacun de nous, t'as doué un missionnaire devant le Seigneur. Chacun de nous, t'as doué un porte-parole de Jésus-Christ dans la société, dans la communauté, dans la famille, dans la zone côté nous vivons là. Chacun de nous, t'as doué une lumière dans ce monde de ténèbres. Chacun de nous, t'as doué un témoin de Jésus-Christ, un témoin de la bonne nouvelle. Alors, assoya, nos grands piles artistes qui voyageaient, nos grands piles pasteurs, évêques, visiteurs qui venaient. Moi-même, sorti les coiffes, je suis venu voir ici là. La semaine prochaine, nous ne pouvons pas voir ici encore. Responsabilité aussi, prendre en main. Prendre en main. Pour qu'on ait que bon Dieu confie l'Église une mission qui s'appelle l'évangélisation des âmes. Une mission de salut, une mission de réconciliation avec Dieu, une mission de paix, paix avec Dieu, paix avec nous autres, et une mission d'espérance. Donc, c'est une mission formelle, parce que c'est Jésus-Christ qui baille. C'est une mission universelle, parce que c'est pour tout moun en a comme pingouin, pisquette comme sardine. C'est une mission spécifique parce que la Bible dit que ça pour nous faire. C'est baptiser moun yo, enseigner la parole, enseigner tout le conseil de Dieu. Et enfin, c'est une mission qui gagne un succès li déjà garanti par la présence même de Dieu, par le Saint-Esprit. Donc allez, faites des nations, des disciples et de toutes les nations. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que Dieu vous a prescrit. Car voici, il a promis d'être avec vous tous les jours et jusqu'à la consommation des siècles. Que Dieu vous soit en aide.
remercier le Seigneur, façon de servir avec Docteur Duterte, pour être capable d'apporter un message de circonstance en soi. Depuis vendredi soir, l'État béni nomme nous. Et en ce qu'on soit, nous, c'est des gros causés qui ne font pas bon ici. Nous remercions la famille. Donc, nous ne pouvons pas connaître quand ils déplacer. Si elle fait, nous connaît un peu l'âge li et madame. Nous ne pouvons pas connaître si elle est présentée madame. Non. Donc, nous avons des pasteurs Duterte, Docteur Duterte, à madame. Ils font pas encore pour nous-mêmes, pour la gloire de Dieu. Nous comptons pour nous faire ça parce que nous voyons que c'est deux jeunes qui là. Il va vous venir. Louange Jésus qui était tout jeune, n'est pas vrai? Donc, je ne connais pas si le temps dit nous l'âge là et combien de mariages. Nous comptons pour passer ces belles bagages. Amen. Nous avons monde marié pour 1 an, 2 ans, 3 ans. Vous comprenez? Mais vous même 52 ans. C'est gros causé. Vous comprenez? 52 ans. On a pris le Saint-Esprit même pour la gloire de Dieu. Je voulais encourager nous, merci. Je voulais encourager nous tous qui sont dans la salle là pour nous capables de garder sur eux même après Jésus. Car ils ont un bon exemple qu'il a. Alors, on était dans l'évangile, on était tout jeune, on était tout belle, on était tout frais. On s'est dit, on n'a pas de chance pour faire expérience. Et nous dit, bon Dieu, merci pour même. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu capable de continuer à faire grâce à soi.